Hey, salut à tous, c'est Mini Kushonen, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de Five Nights at Candy's 2. Aujourd'hui, troisième épisode, on fait la nuit 5, on n'est pas encore mort depuis le début du let's play. Alors j'espère gérer, mais j'espère quand même avoir un screamer dans les minutes à venir, parce que quand même un let's play sur un fan game de FNAF sans screamer, ça fait quand même, ça fait faible. Mais voilà, c'est mieux ça que je galère, mais dans tous les cas il y aura du screamer, ça c'est sûr. Donc nuit 5, donc si on s'en tenait au titre du jeu, ce serait la dernière nuit, mais on se doute qu'il y aura une 6ème, 7ème nuit, tout ça. Et on va continuer la nuit 5. Alors pour le moment, c'est bon. Alors pour le moment, on a eu qui comme personnage? On a eu Candy, Cindy, Chester et le pingouin. Blank est pas arrivé dans la 4ème nuit, il va sûrement arriver dans la 5ème nuit. Et sinon, il y a qui d'autre? Il y a The Rat, mais qui va peut-être pas apparaître. Si, dans FNAC 1, il apparaissait dans la 5ème nuit, The Rat. Donc je sais pas, on va voir on va voir tout ça. Donc oui, c'est le seul personnage que je sais. Je me suis pas spoilé, il y aura peut-être d'autres personnages, tout ça, mais je me suis pas spoilé. Vous connaissez sûrement la suite, voilà, si ça se trouve, vous savez s'il y a d'autres personnages, tout ça, mais je me suis pas spoilé. Pour le moment, on a 4 personnages. C'était pas dur à gérer. Enfin, ça allait. Candy, Cindy, Pingouin et Chester, ça allait. C'était cool, c'était tranquille, c'était calme. Voilà, c'est bon, on est dans la nuit. 12h, on s'en doute. Non, tu vas pas laguer par contre, s'il te plaît. Ah non. Ah là, tu lagues un peu, je suis désolé de te le dire, mais tu lagues même totalement. Ah, tu lagues totalement. Oh, Blanks. Ça va, Blank? Bah voilà, on a Blank dès le début. Par contre, ça commence à... Alors là, on m'a dit le nez. D'accord, donc est-ce que je voulais cliquer sur les pastas? Oh, ça lag. Ça lag un peu. C'est bon, ça lag plus. Si je remonte ici. Je vais revenir dans la cam. Je lag beaucoup, là il y en a Blanks. Je sais pas comment on fait pour Blanks, tout ça, mais on a Blanks en tout cas. Personne devant nous. Très bien, est-ce que ça a arrêté de laguer? Ça lag beaucoup moins déjà. Candy, là on a Blanks. C'est là, non c'est la 14, on m'a dit, clique sur le nez. Ah d'accord, bon on a pas pu voir l'historique, dommage. Donc là on a Cindy, Candy, Blanks, t'es où? Blanks, t'es là. Je peux te faire aller en haut, je sais pas ce que tu vas faire de spécial, Blanks, toi. D'accord. Cindy est où? Cindy, on va dire qu'elle est devant nous. Elle est devant nous. Toi t'es où? T'es là. Tu t'es cassé. Blank il est là. Blank je sais pas trop ce qu'il fait. Pour le moment Blank il est cool, il est là ou il est là, il change parfois, voilà. Il change. Coucou. Si je clique sur le nez quand il y a quelqu'un, ça marche pas, non. Allez, dommage. Pour le moment c'est calme. Ah. Candy est là. Cindy est là. Et Blank est devant nous. Blank, tu peux venir là s'il te plaît? Là-haut. C'est bien, d'accord. En fait, Blank, ça a l'air d'être un deuxième Cindy, enfin un deuxième Candy ou un deuxième Cindy, comme vous voulez. Toi, t'es où? T'es là. TG? Casse-toi, merci. Alors là, qui on a? On va appeler Blank, genre ici, parce que à mon avis, il est devant nous. Là, on a Cindy, Candy et Blank qui est arrivé. Ça, c'est simple. Pour le moment, il y a Blank qui est arrivé, on a un personnage de plus. Ça va. Blanks qui est là et Cindy qui est là. Là, on a personne devant nous. C'est ce que je me disais. Là, est-ce que je peux faire apparaître le... Non, c'est qu'une fois par nuit. D'accord, très bien, pas grave. Je vais appeler quelqu'un parce qu'à mon avis, là, il y a... Non, il y a Blanks qui est là-haut. Cindy. Il y a quelqu'un qui a dû venir ici. Et Chester, je pense pas qu'il nous a eu, non. Oh, Blanks, t'es vraiment très laid. Ah, il y a Candy ici. Il y a Candy ici, on va l'appeler là. Il est juste devant nous. T'es vraiment très laid, Blanks. Vraiment très très laid. On va pas crever. On va pas crever, non, non. C'est bon, Candy est là. Oh. Blank est là et Cindy est là. Il est 1h du matin. C'est déjà plus dur. Ça devient plus dur, mais surtout si je lag, ça va pas être simple. Oh non, le téléphone est mort, non. Oh non, s'il te plaît, reviens. S'il te plaît, le téléphone. Ah non. On est mort.
Premier jumpscare de... Premier jumpscare du coup. Je sais que tu vas y aller, mais je peux plus, je peux pas. Je peux pas faire attention à mes téléphones. Ah bah c'est Blank qui nous a eu de toute façon. Donc voilà, bah c'est Blank. Bah voilà, on a eu le premier jumpscare de Blank. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on a un jumpscare? On a un jumpscare, l'écran se brouille. Quoi d'autre? Missing Girl, 17 ans, Marilyn Schmidt. Waouh, donc on a encore quelqu'un de la famille Schmidt. On a 17 ans. 17 ans, Marilyn Schmidt ne sait pas, n'est pas revenu de l'école. Marilyn, Oui, donc ses amis ont révélé qu'elle devait passer 5 nuits dans la factory de la rue Saint-Antonia et qu'elle avait menti à ses parents. D'accord, donc elle avait fait croire à ses parents qu'elle allait chez des amis, mais en fait non, elle allait à la... Voilà, à la... Où on est, à quoi? Marilyn... voilà. En gros, elle est morte. On est mort. Sorti, ouais, semblait de look fort. Ok. Bon bah on est mort. Voilà le premier jumpscare et un jumpscare de Blank. Donc un jumpscare d'un nouveau personnage pour cet épisode. Ça va, très bien. Bon. Cette nuit 5 est déjà un peu plus dure. Il faut faire attention à mes téléphones parce que là j'ai fail. Là je savais que j'étais mort. Bon quoi qu'il a mis du temps, j'aurais peut-être pu réussir parce que là il a mis du temps à passer le Chester. Mais oui. Et puis en plus je voyais plus Blank, donc je me suis dit c'est bon, on est out. Mais ouais. Premier jumpscare. Plus violent que dans le 1, je trouve. C'est sympa. Sympa. Cool. J'ai pas été surpris parce que je savais que j'allais mourir. Mais voilà. Donc on va essayer de plus gérer là et de faire plus attention à nos téléphones. Parce que voilà, c'est surtout à cause de ça qu'on est mort. Enfin, même si là, techniquement, c'est pas à cause de ça. Mais si j'ai relâché ma garde, c'était à cause du téléphone. Donc voilà. On va essayer de miser. Enfin, on va essayer de bien garder nos téléphones pour cette nuit. Même si au final, il n'y a plus de batterie dans ce jeu. Mais les batteries, c'est un peu le téléphone, tout ça. On lag pas? Ok, on arrive directement sur Blank. Toi t'es là. Cindy t'es où? Cindy t'es là. Là il y a Candy qui se casse. Je vais pouvoir faire l'easter egg ou pas? Ah, on a juste eu le temps d'entendre quelqu'un rigoler, très bien. On va faire revenir là quelqu'un si... Blank t'es où? T'es là? Ok. Non, là il y a Candy, là il y a Blanks. Et là il y a Cindy. Ça va. Là, il y a le... Vous deux, vous êtes là. Coucou. Toi, t'es plus là. Ah, tu t'es cassé. Très bien. Ah, bah, j'ai appelé au bon endroit. J'ai appelé pour faire venir Cindy, mais... T'es là, Cindy? Oui, t'es là. Candy, Cindy et Blanks. Ça va. On est bien. Je vais faire l'historique de Markiplier. Voilà, on entend Markiplier qui crie. Oh là là. Cindy, on va t'appeler ici. Là on a Candy. Cindy était là, Cindy est là. Là on a Blanks, là on a Cindy et Candy est là. Ça va. Bon là il est minuit. Ah, il est là. C'est bon. Tu te casses ou... Oh ça blague. Ça lag vraiment beaucoup. On va appeler quelqu'un... Blank c'est là, bah non finalement. On va appeler quelqu'un là au cas où quelqu'un soit barré. Là il y a Candy qui est monté là. On va appeler Cindy si jamais elle s'est pas cassée. Là on a Blanks. Cindy est là, Candy est là. Ça va, c'est plus dur en effet. Voilà, il faut... Faut savoir gérer. Il faut pas laguer aussi, si je lag pas ça devrait pouvoir passer. Ah non, faut pas que je les perde. Waouh, Candy, Blanks, Cindy. Candy, Blank, Cindy, Candy, plus Candy. Viens là, Candy. Là, on a Cindy, là, on a Blanks. Candy, tu viens là? Candy, t'es venu là, très bien. C'est bon, j'arrive à comprendre leur mouvement un peu. Vous êtes toujours tous les trois là. Non, Blank s'est cassé. Non, c'est Cindy qui s'est cassé. Elle est là, ça va. Candy, Cindy, Blanks, plus Blanks, d'accord. Blanks, t'es pas là? Alors viens là, Blanks, s'il te plaît. Je t'appelle là. Ah non, ça c'est Candy, ça. Ah d'accord, j'ai réussi à le faire venir là. Y a plus personne là. C'est bon, Blanks t'es là. Oh. Candy, Cindy, Blanks. Tu peux te remettre la caméra, le téléphone là parce que tu me fais peur.
Candy, Cindy. Puis Blanks. Viens là, Blanks. Blank. Bien, Blank. Cindy, Candy. C'est bon. Mais le téléphone là, il se remet pas. J'espère que le pain. Que Chester va pas apparaître là, sinon je ferai mal. Il est pas là. Il est là. Salaud, il est là. C'est justement ce qu'il fallait pas. C'est bon, mon téléphone est revenu. Il s'est cassé. Oh. Au bon moment. Mais t'es vraiment très très laid. Candy, on va t'appeler là parce que tu t'es cassé du coup. T'es là? Voilà, Candy, c'est ça. Candy, Cindy, Blank. Ça va. Ah, mais il est très laid. Il est franchement très très laid. On est d'accord. Candy, pardon, Blank. Candy s'est cassé. Non, il est là. Il est là, on va pas utiliser notre téléphone. Et ils sont tous les trois là. Coucou. Non, lui s'est cassé. Il s'est cassé très loin, Candy. Blank, Cindy, pas Candy. Il est où, Candy? Casse-toi. Merci. Oh, ça lag. Cindy, Candy, enfin Blank. Candy, tu viens là, tu viens là, s'il te plaît, ou... Voilà, merci, enfin, non, parce que t'étais pas là, mais voilà. Voilà, vous deux, vous êtes là. Non, mais si je lag comme ça, ça va être chaud de gagner les nuits. Voilà, c'est bon, ils sont tous les trois là. Mes téléphones vont bien. Toi, t'apparais comme ça, le pingouin. Candy. Oui, Candy. Candy va t'appeler. Candy. Candy. Candy, c'est bon, j'arrive à deviner. Cindy est là, ça. Cindy, Blank, Candy. Blank s'est cassé? Blank s'est cassé, évidemment. Du coup, on a Blank. Cindy, toi t'es là. Et Candy est là. Ça va. Cindy, Blank. Candy. j'arrive même plus. On va appeler quelqu'un là au cas où. Oh. Et mon PC il va pas bien. Voilà, du coup ça va parce que ça fait genre ça fait roleplay de, parce que cet endroit là la caméra elle doit bugger parfois. Donc ça le fait encore. J'appelle Blank mais il veut pas venir, c'est bon il est là. Parce que voilà, si ça se trouve la fille là qu'on joue, Marilyn Schmidt, fille sûrement de Marie Schmidt et de Mike Schmidt, et après c'était qu'une théorie. Ben peut-être la caméra, vu que c'est une vieille caméra là, un vieux truc pour regarder les caméras, ça doit sûrement bugger. Et vu que mon PC bug et lag et tout ça, ça va bien dans le thème. C'est fait exprès, voilà. C'est pas... Ok. Cindy, Blank. Candy, t'étais là? Hein, t'es où? Il est où? Ah, il est là. Casse-toi. Merci. Cindy... On n'a pas Candy. Candy, viens, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, Candy. T'es là? Merci, Candy. Allez, il est 3h du matin. Eh, ça passe pas vite. Ça passe pas vite. Candy, Cindy... Blank. Encore une fois, c'est répétitif ce que je dis, mais en même temps, c'est le jeu qui veut ça, parce que le jeu, il est répétitif. Alors. Mais Blank, s'il te plaît. C'est Blank. C'est Blank, ça. Candy, Cindy. Plus personne. Plus personne. Cindy, Blank... Enfin, Candy et Cindy est là. Si je dis un mauvais nom, c'est pas grave. Hein. Dans ma tête, je me comprends. Et Blank est là. Et toi, t'es là. Casse-toi, Chester. Je sais pas où tu te caches pendant que t'es pas là, pendant que t'es pas en train de taper au mur, mais là, pour le moment, tu peux te casser. Là, il y a Cindy. Et là, vous deux, vous êtes là. Blank, Candy, Blank, Candy, Blank. Et là, toi, t'es là. Je regarde. Personne devant moi. Cindy. Vous êtes là. Blank, Candy. Blank. Plus Cindy. Tu viens là, Cindy? Blank. Arrête ça, Cindy. Je stresse. Blank, Candy. Cindy, Blank, Candy. Cindy, Blank. Blank? Non. Blank est là. Candy est là. Et Cindy est là. Ah, ils sont alignés. Ils sont plus alignés. Oh non, et l'autre il arrive là. La ferme, tu t'en vas.
Cindy, Candy et Blank arrivent là, non? S'il te plaît, arrive. Merci, merci Blank. Blank, voilà, exactement, très très laid. Très très laid, Blank. Et Candy qui est pas là. Ah si, il est là-haut. Donc on va arrêter. Candy, Blank, Cindy. Candy, Blank, Cindy. Il faut juste que j'arrive à repérer. En fait, c'est un cache-cache. C'est un gros cache-cache, ce jeu. Fanny attaque indice 2 et le pingouin qui arrive de temps en temps comme ça. Alors, vous deux, vous êtes là. Blank est là. C'est bon, il est, si, bien sûr qu'il est là. T'es plus là. T'es plus là. Candy est là, par contre. Candy est là. Blank n'est plus là. Du coup, on va l'appeler. Il est 4h du matin. Ça passe pas vite du tout. Ça ne passe pas vite du tout. Sur t'es là, oui, Blank est là, toi je t'appelle. Je veux juste voir Candy, Cindy, bon ils sont là. Blank est là. Blank, on peut pas t'appeler là. Ouais non, ça servira à rien. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Devant nous, on a personne. On va appeler, là on a Blank. On va appeler quelqu'un au hasard si jamais il y a quelqu'un devant nous. Il y a peut-être Cindy qui va venir là. Parce que, non, Cindy est là. Cindy, Candy... Cindy, Candy, y'a pas de Blinks. Blinks, viens s'il te plaît. Blinks. T'es Blinks, t'es Blinks, exactement. Casse-toi. Merci, au revoir. Non, non, qui est venu là? Cindy, Candy, Blinks. Puis Blinks. Blinks. Ah, d'autres barrés, s'il te plaît. Candy, Cindy, Blinks. Merci. Candy est plus là. Candy s'est barré. Non, il est là. C'est, ce jeu va me rendre fou. Candy, Cindy. Non, Blank, si. Blank, Candy, Cindy. Non. T'es où, Cindy? T'es pas là. Toi, tu viens là. Cindy. Alors. Candy, Cindy, là, Cindy. Exactement, voilà, exactement. Vous êtes trop rapide pour moi. Vous êtes tous les trois là, vous. Non, toi, Blank n'est plus là. Blank, il est là. Il s'est pas barré. Candy est là. Ils sont alignés. Cindy. Non, Blank, il voulait pas être aligné. C'est pas son truc d'être aligné. Restart. Blank. Oh non, le truc est mort. Non, il est là? Non, il est pas là. Il est où? Non, j'ai deux téléphones morts. T'es où? T'es là. J'ai deux téléphones morts, je suis mal. Je suis tellement mal. Candy, Cindy et Blanks qui pue là. Je suis mort, mais vous savez pas à quel point. J'étais sûr de mourir, il était 5h du matin. Que j'ai survécu? Non, j'ai pas survécu. What? What? C'est quoi ce bug? Bonjour, je peux plus aller dans mes caméras ni rien. Est-ce que je vais réussir la nuit grâce à un bug? Ah parce que là, je peux plus bouger là. Je teste, je peux même plus allumer la lumière. Je sais pas si le temps passe encore. Est-ce que je vais réussir la nuit grâce à un bug? Si je réussis cette nuit grâce à un bug, ça se ferait pas. Ça se ferait pas, mais en même temps, limite ça se ferait quand même, parce que il y a des chances que si j'ai perdu, j'ai réussi la nuit grâce à un bug. J'ai réussi grâce à la nuit. On va rien dire là-dessus. On va rien dire. J'ai réussi la nuit de façon tout à fait correcte. J'arrive pas à croire ce qui s'est passé là. Mais c'est pas grave parce que j'ai réussi la nuit grâce à un bug. Ça, je répète la phrase 10 fois, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que mon PC lag. Donc voilà, c'est un peu bien parce que. Voilà, sinon ce serait... Voilà, j'ai eu plus de mal à jouer parce que mon PC lag, mais j'arrive à gagner la nuit grâce à un bug. Ça va. Bon, par contre là c'était de la pure chance. Blanks m'a tué, mais pas totalement. En fait, Blanks il m'a pris, et il a fait, ouais en fait non, je... Non en fait non. Voilà, merci Blanks de pas m'avoir tué, t'es vraiment un gars sympa. Waouh, la chance. Il s'est rien passé, on est d'accord, j'ai réussi la nuit du premier coup. J'arrive à bugger dans le mini-jeu. Franchement, sérieux, j'arrive à laguer mon PC. Pour vous dire à quel point mon PC est moisi, j'arrive à faire 3 vidéos par semaine avec un PC comme ça, pour dire que j'ai du mal. Ah ouais, là on peut pas passer du coup. Par où? Ah oui, là on passe par en haut, je pense. Hein? C'est pas par en haut? Si, c'est par en haut. Ou par là. Ou par là, il doit y avoir un endroit où passer. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bon, là je lag plus. Ah, j'arrive pas à croire. Waouh! Un garde de sécurité. Un garde de sécurité. Très bien. Nous, on joue Candy. Encore un garde de sécurité qui s'est passé. Et il y a des feux dehors. On a l'impression que c'est la police qui est arrivée. Donc, à mon avis, c'est des gardes de la police qui sont là. Vous entendez cette espèce de vieux rire de Freddy?
qui, à mon avis, serait plus quelque chose comme The Rat. On n'a pas vu The Rat encore, donc peut-être dans la sixième nuit. Ce gars est mort, il y a un garde de sécurité qui est mort. Un garde de sécurité est mort, là, ici. Je sais pas qui c'est. Si on monte, qu'est-ce qui va se passer? Avec ce rire omniprésent, là, ce rire flippant. Je sais pas si vous l'entendez, j'espère, mais on entend une espèce de vieux rire de Freddy. Ah, la porte est ouverte. Peut-être comme ça fait comme la porte de... Ah, elle s'est fermée. Oh! Et... La porte ouverte me faisait penser à la porte par laquelle venait mon chien aboyait. J'espère que vous l'avez pas entendu. Par la porte d'où vient le rat dans dans Fnac 1. Et oui, et du coup la porte s'est fermée et on s'est fait arrêter, enfin arrêter. En tout cas, Candy s'est fait prendre par la police. Hein, je pense pas que Candy soit le responsable de cette mort. Mais voilà, apparemment Candy a été pris par les policiers. Une vieille usine mise pour démolition, enfin qui va être bientôt démolie. L'usine abandonnée de la rue de 27 rue Sainte-Antonia va être démolie quelque part dans les prochaines semaines. Cette factory de 45 ans qui est fermée depuis 1993. Oh. Après qu'il y ait eu un autre accident fatal dans l'usine de robots. C'est sûrement l'usine de robots dont faisait référence, enfin qu'on voyait parfois dans Fnac 1, cette je sais pas. Tout ce qui est théorie, je pense que je ferai une autre vidéo, pas dans le let's play pour ça, mais voilà. Donc, est fermée depuis 93 à cause d'un autre accident fatal pour quelqu'un. Ouais, c'est bien ce que je dis, l'usine, c'était une usine de robots, corporation, ouais, de robotique, c'est ça. C'est bien ce que je dis, c'est l'usine de robots qu'on voyait parfois dans la... Dans Fnac 1. Sauf que dans Fnac 1, dans Fnac 1, elle était encore... Non, je sais même plus si elle était encore ouverte, je sais plus, j'ai plus trop de souvenirs. Une compagnie, voilà, qui s'était fermée, quoi. La compagnie était spécialisée dans le design et la production de robots animatroniques. Elle avait commencé en 1962 en faisant des mécaniques pour contrôler les animatroniques. Et après, et petit à petit, les animatroniques étaient de plus en plus avancées. Casualties, je sais pas ce que c'est. Missing. Voilà, puis il y a eu un meurtre. Tard, il y a eu une des découvertes de personnes mortes. Là, comme on a pu voir dans le mini-jeu, il y avait un policier mort ou un garde de sécurité. Et voilà. Et best selling author, voilà. Donc, l'usine va être démolie. Et The End marqué en bas. L'usine va être démolie. Et c'est ainsi que se termine cette nuit 5. Waouh. Et on a notre première étoile. Et ouais, et le fond a changé. Est-ce que vous reconnaissez Candy là? Moi non plus. The Rat est apparu. Et à mon avis, quelque chose me dit que dans le prochain épisode, parce que oui, l'épisode va s'arrêter là, parce que on a du coup essayé plusieurs fois, enfin on a essayé deux fois en tout la nuit 5, on a eu un mini-jeu, tout ça, enfin on a eu la fin de la nuit 5 en tout cas, je sais pas s'il y a d'autres fins après la nuit 6, nuit 7. The Rat est apparu, à mon avis, on va entendre parler de lui dans le prochain épisode, ça j'en suis presque certain. Cet épisode, on pourrait le résumer par cinquième nuit, gros coup de chance, parce que j'ai réussi avec un gros coup de chance, premier jumpscare et la fin, parce que voilà, l'usine va être démolie, tout ça, voilà. Bon, pour moi, c'est un épisode assez conséquent, on va pas se spoil la nuit 6, on va pas se spoil si le rat apparaît, parce que voilà, ce serait du spoil, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur Final Fantasy Candies 2. J'espère que cet épisode vous a plu. Je l'ai trouvé riche en...
En gameplay, en tout cas, enfin, il y a eu du jumpscare, il y a eu du coup de chance, il y a eu la fin. Comme j'ai dit, il y a eu plusieurs trucs dans cet épisode et ouais, c'était sympa. Donc, vous pouvez toujours mettre un like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode, pour dire que je suis un gros chanceux, tout ça. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de ce let's play. Donc, le peut-être dernier épisode la semaine prochaine, mais je suis pas sûr puisqu'il y aura sûrement nuit 6 et nuit 7. Et à mon avis, j'arriverai pas à faire les deux en un seul épisode. Donc on verra bien. En tout cas, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Maniaco Shonen. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.